à louer l'Éternel ce matin. Amen. À le laisser nous visiter par son esprit ce matin. On va laisser, nous sommes venus célébrer Dieu, nous sommes venus l'adorer. Il attend nos prières, notre Dieu. Amen. Alors crions de joie, bénissons-le, prions-le, acclamons-le, adorons-le ce matin, parce qu'il est roi, il est majestueux, il est Seigneur, il est Sauveur, il est Maître de ma vie. Amen. Seigneur, cette lumière. Amen. Et on va prendre ce chant.
Christ est la lumière du monde. Alors que sa gloire couvre la terre, que sa gloire ce matin couvre son Église. Nous sommes fils et filles du roi. Amen. Nous qui avons décidé de croire en lui, je suis fils de Dieu. Amen. Fils d'un grand roi, du Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Oui. Chantons et crions ensemble, victoire. Amen. Quittons la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous prions ensemble, de la mort. Seigneur, je te célèbre ce matin. Amen. Yeah.
Chacune de nos vies. Oui, je te célèbre parce que toutes ces choses, je les vis. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une religion, mais c'est ma communion avec toi qui me permet de vivre cela au quotidien. Merci Jésus pour ton sacrifice. Merci pour d'avoir éclairé mes ténèbres. Merci de m'avoir arraché, lavé de la boue du péché. Oh, je veux te bénir, toi qui es l'admirable, détends, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, et aujourd'hui tu es mon Père. Oh, je veux t'acclamer, t'adorer avec mes frères et sœurs. Merci pour cette merveilleuse famille de Christ en Christ, Seigneur. Merci pour ce corps glorieux qu'est l'Église. Amen. Oh, Éternel, je veux te louer, t'adorer, parce que cette unité, ce bonheur que nous partageons, personne ne peut nous l'enlever, ni le monde, ni les pensées de ce monde, ni les ténèbres ne peuvent retirer ta sainte lumière dans ce temple, dans cet endroit. Alors, Seigneur, viens, règne, et sois le maître de ces moments, et que nous puissions être embrasés par ton amour ce matin, visités par ton esprit, que nous soyons poussés à t'adorer parce que tu es grand et merveilleux pour tout ce que tu nous fais dans nos vies et tout ce que tu feras encore au Éternel. Alors sois béni, sois adoré, sois exalté, mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Seigneur. Seigneur. Oui, Seigneur, parce que tout est entre tes mains, tu es notre Créateur, tu es l'Éternel, Seigneur, qui agit de tout temps, Seigneur, et tu es la lumière qui est venue, Seigneur, chasser nos ténèbres, même Seigneur, en ce jour de grâce, Seigneur, par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, nous pouvons entrer, Seigneur, dans ta présence, ô Dieu très saint, Seigneur, alors ce matin, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, que te dire merci, Seigneur, pour cette grâce, pour cette miséricorde, cette compassion, tu nous accordes encore ce matin, Seigneur, oui, d'être là, Seigneur, ensemble, d'être debout, d'avoir encore le cœur qui bat, Seigneur, et pour toi seul, Seigneur, nous voulons vivre. Alors, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te dire merci pour le sang, Jésus, merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies.
Merci, amen. Seigneur, pour ce rassemblement, Seigneur, que tu as, Seigneur, permis encore aujourd'hui, Seigneur, que nous nous sentons libres, Seigneur, de faire, Seigneur, de faire le service à toi, d'être là pour toi, Seigneur, et nous te disons encore merci. Amen. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté et ta fidélité. Je te loue et je t'adore, Père. Que ce soit ma louange, que ce soit mon adoration, que ce soit ma vie, Père. Amen. Oh oui, Seigneur, merci. Mille fois merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, que tu es venu dans ma vie. Tu es venu, Seigneur, je t'ai accepté de tout mon cœur, de toute mon âme. Maintenant, je ne sais plus marcher sans toi. Je ne peux plus avancer sans dire ton nom, Jésus, sans ton nom merveilleux, le nom le plus doux, le plus beau à prononcer. Tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu es mon ami, tu es mon frère, tu es mon soutien, tu es mon assurance, tu es mon espérance, tu es le tout de mon cœur. Et encore ce matin, je te remercie. Merci d'être là dans ta maison. Merci de pouvoir t'aimer. Merci de pouvoir te jouer. Merci de pouvoir t'adorer. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, tu as quitté ton ciel de gloire pour descendre jusqu'à nous. Seigneur, tu t'es dépouillé. Seigneur, tu es venu comme un simple homme pour nous parler à chacun d'entre nous. Seigneur, tu es venu avec ton amour. Tu es venu pour nous dire, je t'aime, je t'ai gravé sur mes mains. Seigneur, ce matin, nous sommes heureux de t'avoir rencontré, amen. D'avoir fait la paix avec toi, amen. D'avoir été réconciliés avec le Dieu très haut. Oui, nous avons chanté, nous sommes les fils et les filles du Dieu vivant, du amen. Dieu très haut. Et ce matin, c'est un cœur rempli de joie, généreux pour te célébrer et te louer, car il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Amen. Seigneur, tu es le Dieu unique, le véritable. Celui qui était, qui était et qui vient. Seigneur, notre espérance n'est pas vaine, bien au contraire. Sommes dans la joie de cette rencontre avec toi, de cet enlèvement. Seigneur, même s'il y a un moment de tristesse dans nos cœurs, en voyant tous nos compatriotes loin de toi et perdus dans les ténèbres. Le Seigneur, ce matin, nous voulons proclamer ta victoire. Merci, ta victoire sur nos vies, mais aussi dans toute cette région. Dans le pays et dans le monde. Seigneur, merci, merci d'être venu. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Père de gloire, Père éternel, nous voulons te célébrer ton nom ce matin à cause de ton grand amour que tu as témoigné à notre égard. Et oui. La Bible dit rien ne peut nous séparer de ton amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Tu nous as aimés, tu as pris notre place, tu as été condamné à notre place, Seigneur. Tu as porté sur toi ce que nous méritons, ô Éternel. Mais par ta grâce, tu nous as donné ta vie. Tout cela, nous, ce matin, nous sommes reconnaissants. Nous venons dans ta présence. Nous ne regardons pas les difficultés qui nous entourent, Seigneur. Mais nous voulons regarder ton amour. Nous voulons regarder l'éternité qui est réservée pour nous, Seigneur. Sois béni, Père, dans les noms puissants de ton Fils Jésus. Amen. Comment te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu m'as fait. Tu étais avec moi, Seigneur. Tu étais à mon compagnie, Seigneur. Si aujourd'hui je suis là, Seigneur, c'est par ta force, c'est par ta puissance, c'est par grâce que je suis venu vers toi, Seigneur. J'étais au milieu du monde. Je ne savais pas où te trouver, Seigneur. Dans cette épreuve si mal, je t'ai retrouvé, Seigneur. Tu étais en ma présence. Dans toute cette semaine, à l'hôpital, tu étais avec moi, Seigneur. Je te sentais, Seigneur. Tu me prenais dans tes bras, Seigneur. Et j'ai pu assister à une bonne opération, Seigneur. Quand je t'ai pris pour mon pilier, Seigneur, tu étais avec moi. Même aujourd'hui, Seigneur,
Je ne sais même plus comment te dire, te remercier, Seigneur. Quel mot prendre pour te dire merci, Seigneur. Tu m'as sauvé, Seigneur. Et aujourd'hui, je suis là et j'ai confiance que tu m'as pris dans tes bras. Garde-moi toujours, Seigneur. Alléluia. Amen, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, c'est vrai que tu es admirable. Nous te devons tout, Seigneur. Tu es si bon avec chacun de nous, Père éternel. Merci pour cette semaine passée. Merci d'avoir pris soin de ma famille, des miens. Merci, Seigneur Jésus, parce qu'au quotidien, je peux te voir. Il est vrai que chaque jour n'est pas facile, Seigneur. Mais chaque jour, Seigneur, tu me montres combien tu es présent dans ma vie, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu m'accompagnes. Merci parce que tu me tiens la main, Père éternel. Et c'est vrai que nos mots sont si petits, Seigneur, pour te dire toute la reconnaissance que nous avons envers toi, Père éternel. Merci pour ce sacrifice à la croix, Seigneur. Merci parce que je ne méritais rien et tu as tout donné, Seigneur, pour ma vie, Père éternel. Et pour ça, Seigneur, je te remercie de tout mon cœur. Je veux te dire combien je t'aime et combien je suis honorée d'être un de tes enfants, Père éternel. Sois béni. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette langue de joie qui nous anime et vraiment nous tourner vers toi. Seigneur, ta parole déclare que quand la foi est attaquée, tu réponds par ta parole. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, chacun de nous, la foi que nous avons de toi nous justifie. Ce matin, nous sommes là pour te proclamer. Nous sommes là pour te louer, pour te magnifier. Toi qui as pris soin de nous durant toute cette semaine passée, Seigneur, il t'a plu encore de nous accorder ton souffle de vie et nous sommes là. Nous t'en remercions, nous t'en sommes reconnaissants. Seigneur, voulons te prier chaque jour que l'esprit qui vient de toi nous anime, nous embrase, consume en nous la chair et que, éternel mon Dieu, tu prends tout notre entier afin que, éternel mon Dieu, la victoire que tu as encore en réserve pour nous, Seigneur, nous puissions, éternel mon Dieu, les recevoir et, éternel mon Dieu, marcher avec toi. Nous voulons être en eau profonde avec toi. Seigneur, ce matin, nous sommes venus, éternel mon Dieu, à la fontaine de notre Dieu. Seigneur, ouvre notre entendement pour les paroles qui vont être données. Amen. Seigneur, nous sommes venus pour être transformés. Et Seigneur, qu'au sortir de ce lieu, nous ne soyons plus vus comme ces personnes, ô éternel mon Dieu, dans la détresse. Mais au contraire, des lumières qui vont témoigner, éternel mon Dieu, ton retour final, c'est-à-dire la victoire de ton peuple. Alors nous t'en sommes reconnaissants. Te disons merci. Bénis cet instant de prière. Bénis ce moment de culte. Seigneur, étends ta main, éternel mon Dieu, sur ton peuple dans le monde entier. Que personne ne reste en rêve. Seigneur, presse nos pas là où ton nom est invoqué. Presse, éternel mon Dieu, notre cœur à s'ouvrir à ta parole. Seigneur, nous t'écoutons, parle. Dis seulement un seul mot. Et nous serons guéris. Amen. Et c'est dans cela que nous te disons merci, Seigneur, dans le bon et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On a un dernier cantique, frères et sœurs, ensemble. Avant de laisser passer la parole de Dieu, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses nous seront données. Ce matin, nous sommes venus à la rencontre de Dieu. Toutes choses nous seront données par-dessus. Amen. Nous vivons avec la parole de Dieu. On ne mange pas que du pain, mais aussi du pain spirituel. La parole de Dieu. Alors préparons nos cœurs, nos âmes, nos esprits à recevoir son enseignement ce matin, frères et sœurs. Et tout ce chose
de Dieu. Amen. Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver dans la maison du Seigneur, dans sa présence. Ce matin, soyez les bienvenus, mes frères et mes sœurs, chers amis. Dieu est fidèle, il est là par son esprit. Et je souhaite la bienvenue aussi à tous ceux qui nous regardent via le site internet addedebauche.com. Que le Seigneur vous bénisse aussi dans votre maison, dans le lieu là où vous êtes. Alléluia. Je propose que nous fassions une première lecture dans le livre des Juges, au chapitre 21, verset 25. Livre des Juges, chapitre 21, verset 25. Juste verset 25. Il nous a dit, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Je redis ce verset. « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » C'était la pleine liberté. On pourrait dire presque l'anarchie. C'est une nation à laquelle tous les habitants ont la possibilité de faire ce qu'ils veulent. C'est l'anarchie. En tout cas, c'est la conclusion de ce livre des juges qui nous apprend que parmi le peuple d'Israël, en ce temps-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon, ou alors chacun faisait ce qui lui semblait droit, ou encore chacun faisait ce qui lui plaisait, ou encore chacun faisait selon sa convenance. Faire ce qui semble bon, faire ce qui nous plaît, faire ce qui nous semble droit, part d'un bon sentiment. Mais la question pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, est-ce bon, est-ce bien, est-ce droit aux yeux de Dieu? Pourquoi? Parce que le chrétien, l'enfant de Dieu, n'a pas tous les éléments en main. Il ne maîtrise pas son futur pour être sûr qu'il fait bien par rapport à Dieu. Et le peuple d'Israël a très souvent démontré au cours de son histoire son manque de discernement et de nombreuses erreurs dans ce domaine. Et Dieu nous dit dans sa parole que l'homme ne sait pas toujours, je dis bien, ne sait pas toujours, quelquefois il arrive, mais ne sait pas toujours discerner ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est convenable pour lui. Le sage qu'un enfant, si vous lui donnez un peu de là, il va vouloir le manger entièrement. Et après, les conséquences, c'est qu'il va avoir mal au ventre et ça va être néfaste pour sa santé. Et nous sommes pareils quelquefois, nous désirons une chose, nous désirons tellement, nous faisons tout et puis en réalité, ça va nous faire du mal. Donc, que dit la parole de Dieu? Livre des Proverbes, Proverbes chapitre 14, verset 12. Là, donc, Dieu dit que l'homme ne sait pas toujours discerner ce qui est bien, ce qui est mal ou ce qui est bon pour lui. Proverbes chapitre 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme ou à une femme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbes chapitre 21, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse des cœurs, c'est l'Éternel. Amen. Alors je vous invite à prendre connaissance de l'histoire du juge Jephté, dans le livre des Juges, au chapitre 11, verset 29. C'est édifiant, son histoire est édifiante parce que ça part d'un bon sentiment ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, mais en réalité ça va être dommageable pour sa famille et pour son enfant. Donc, livre des Juges, chapitre 11, verset 29, il dit que l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephté, il traversa Galad et Manassé, il passa à Mitzpé de Galad, et de Mitzpé de Galad, il marcha contre les fils d'Amnon. Jephté fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Amnon, quiconque sortira des portes de ma maison devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amnon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Il pensait que ce serait un animal, un bœuf, tout ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est dans l'esprit, c'est ça. Jephté marcha contre les fils d'Amnon et l'Éternel le livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroer jusqu'à Minit, espace qui renfermait 20 villes jusqu'à Abel-Kéramin. Et les fils d'Amnon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephté retourna dans sa maison à Mitzpah. Et voici,
Sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. » Elle ne savait pas non plus ce que c'était. Et elle dit, « Allez-y. » Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va. » Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes, elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Amen. Quelle erreur, quel manque de discernement et quelle tragédie pour le juge Jephté, qui avait été visité cependant par le Saint-Esprit, et pour qu'il devienne le libérateur d'Israël. Emporté par son élan, par son zèle, et peut-être par la disant, voilà, je suis maintenant le libérateur d'Israël, donc il fait un vœu qui lui semble bon, juste, droit, agréable à Dieu. Mais la fin de l'histoire prouvera le contraire. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a jamais demandé de sacrifier son propre enfant à lui pour lui. Mais pris par son engagement, selon certains commentateurs, Jephté, par son engagement, a bien sacrifié sa fille en holocauste. Et voyez-vous, donc, Jephté ne connaissait pas la parole de Dieu suffisamment, puisque je ne vais pas donner son détail, les détails, c'est un fils légitime d'un homme qui s'est marié avec lui, enfin bon, voilà, donc il n'était pas totalement israélite, enfin bon, je ne vais pas dire, mais il ne connaissait pas, puisque dans la parole de Dieu, interdiction de sacrifier son propre enfant, ou des enfants au Dieu d'Israël. Et de plus, si le vœu était irrévocable, la parole de Dieu passe avant toute chose, il fait foi. Elle fait foi. Donc si on dit n'importe quoi, la parole de Dieu reste. Et c'est pour cela que même en étant engagé par ce vœu, la parole de Dieu lui refusait ce droit de sacrifier son enfant. Mais voyez-vous, donc emporté, hein, pourtant il était bien spirituel, il avait été bien appelé par Dieu, rempli du Saint-Esprit, et voilà, il se lance dans des choses qui lui semblaient bon, agréable à Dieu, mais la fin, ça va être une tragédie, c'est la souffrance. Donc faire ce qui semble bon n'est pas forcément bon aux yeux de Dieu. Pour justifier ce « chacun faisait ce qui lui semblait bon », le prétexte était « il n'y avait point de roi en Israël ». C'est vrai, quand imaginons quelques instants, il n'y avait pas d'autorité en France. Je ne vous explique pas l'anarchie que pourrait pour, entre les vaccins, anti-vaccins, et puis anti-passe sanitaire, etc. Hein? Mais, donc, pour justifier, il disait qu'il n'y avait pas de roi en Israël. En réalité, Israël avait un roi. Un grand roi qui régnait sur eux depuis toujours. Le livre des Nombres, chapitre 23, verset 21. Vous savez, quand on veut faire passer une idée, quelque chose, on cherche toutes les petites choses, mais en réalité, il y avait bien un roi en Israël. Voilà ce que Moïse avait écrit au départ. L'Éternel son Dieu est avec lui, avec le peuple. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu était le roi du peuple d'Israël. Et voyez-vous, dans sa grandeur, dans sa sagesse, dans sa puissance, dans sa perfection, Dieu, le roi d'Israël, avait déjà abordé ce sujet de chacun faisait ce qui lui semblait bon. Dieu avait donné des moyens, des solutions pour que cela n'arrive plus. Mais alors, comme on l'a dit, il n'y a plus de roi physique, il n'y a pas de droit physique, donc on fait. Mais en réalité, Dieu avait déjà réglé la situation. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 12, verset 8, voilà ce que Dieu dit au peuple d'Israël, « Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. » Oui, c'était vraiment interne, mais c'était héréditaire près du peuple d'Israël, puisque Dieu l'a dit, hein, « Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons ici maintenant, où chacun fait ce qui lui semble bon. » Parce que vous n'êtes point encore entré dans le lieu de repos et dans l'héritage de l'Éternel, votre Dieu vous donne, mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession.
Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous serez et vous établirez en sécurité. Amen. Donc j'avais pris ce problème à bras le corps en disant mais il va falloir un moment que ça s'arrête. Vous n'allez pas matin, donc vous faites ce que là aujourd'hui, vous faites ce qui vous semble bon, mais après avoir passé le Jourdain, ça va changer. Donc en réalité, Dieu dit, vous n'agirez plus comme vous le faites ici dans le désert, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans le lieu de repos, dans l'héritage, mais que Dieu vous donne, mais vous passerez le Jourdain. Donc vous avez l'impression que le Jourdain est une séparation, une barrière, hein, de quelque part. Donc le passage du Jourdain allait en quelque sorte amener le peuple d'Israël à ne plus vivre dans cet état de chacun faisait ce qui lui semble bon. Donc le Jourdain est vraiment, on a l'impression que c'est une frontière. Une fois passé, on change de sentiment, on change de manière de faire, on change de manière de vivre. Et pour le chrétien, c'est la même chose, mes frères et mes sœurs. Hein, donc aujourd'hui, bien sûr, nous n'avons pas droit. De toute façon, on a une république, il y a le président, mais je veux dire, dans notre vie, nous avons un roi, un seigneur. Donc je vous laisse me le dire. Non, vous ne savez pas qui est votre roi, votre seigneur. Non, parce que dans la Bible, il est dit, vous êtes un peuple, une nation sainte, hein, etc. Donc nous avons un roi, nous avons bien un seigneur, c'est Dieu, c'est Jésus. Hein, même si physiquement on ne le voit pas, mais par son esprit, nous savons, et l'esprit du Seigneur atteste à notre esprit que nous avons bien un seigneur, c'est Jésus. Donc, pour le peuple d'Israël, il devait y avoir un avant le Jourdain et un après le Jourdain. Et donc le passage du Jourdain, pour nous, c'est la même chose. Il doit y avoir un avant et un après. Le passage du Jourdain, vous savez, c'est l'image du baptême. Quand on parle du Jourdain dans la parole de Dieu, hein, c'est l'image du baptême, du croyant. Donc pour nous, c'est l'image du baptême, du croyant. Donc l'engagement de prendre Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, et de se laisser conduire par ce Seigneur et son Sauveur, oui ou non? Avant, lorsque nous étions, avant de passer ce Jourdain, avant de s'être engagé, avant notre baptême, nous faisions ce que nous voulions. C'est pas ça, non? On faisait ce qui nous semblait bon. Mais une fois converti, baptisé, notre vie doit s'organiser, doit être organisée à faire que ce qui est bon aux yeux de Dieu. Pas obligatoirement à nos yeux, mais surtout aux yeux de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans Romains 6, 4, dit bien que, nous explique bien la chose. Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, nous avons passé ce fameux Jourdain spirituel en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Amen. Autrefois, nous étions des menteurs, des voleurs, nous faisions ce qui passait par la tête, ce qui nous plaisait, dans le débordement de toutes sortes. Mais une fois que nous avons reçu Jésus comme son Sauveur, son Seigneur, son Roi dans sa vie, à ce moment-là, il y a un changement, une nouvelle vie, donc une nouvelle nature, de nouveaux désirs, un nouvel état d'esprit. Hein, et nous faisons ce qui semble bon aux yeux de Dieu et non pas forcément les nôtres. Quelquefois, ça se rejoint. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il va ses désirs sont les désirs de Dieu. Les désirs de Dieu deviennent les siens. Alors bien sûr, on dit c'est facile à faire. Non, c'est facile à dire, mais c'est plus compliqué à faire. Parce que nous avons quand même, bien sûr, nous sommes baptisés, nous avons Dieu comme roi, Seigneur, mais il y a quand même toujours la chair, le charnel, le terrestre qui est là. Il y a nos yeux pour voir des choses que nous désirons forcément, ou notre bouche est, alors que ce n'est pas du tout dans le plan de Dieu. Nous avons un bel exemple, je pense, c'est celui, l'exemple du roi Salomon. Ça, c'est formidable. Et nous retrouvons son récit pour nous exhorter ce matin dans le premier livre des rois, au chapitre 3, verset 5. Premier livre des rois, chapitre 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Donc Salomon allait devenir le jeune roi. Il allait prendre la succession de son père, David. Et donc Dieu se manifeste à lui, donc, hein, et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, «
Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. De toute façon, même en tant que plus âgé, quelquefois, on n'a pas l'expérience de la vie spirituelle. Ton serviteur est au milieu d'un peuple, du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et la gloire et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes voies, mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton serviteur, je prolongerai tes jours. Amen. Le roi Salomon, tout jeune qu'il était, est conscient de son manque de discernement concernant les choix qu'il aurait à faire durant sa vie. C'est un problème qui concerne le plus jeune au plus âgé. Pourquoi? Parce que beaucoup de directions, beaucoup de décisions, de projets dans la vie, dans l'existence d'une vie. Comment savoir? Comment faire ce qui est bien, ce qui n'est pas bon? Ne serait-ce que dans les projets, un projet sentimental, pour un jeune homme ou jeune femme. Un projet professionnel. Quel travail, quel emploi, quel métier. Projet familial. Apprendre avec les enfants. Et ce n'est pas toujours facile. Donc c'était pour le cas de Salomon, le jeune homme. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu lui demande-moi ce que je veux. Alors dans la Bible, enfin surtout dans les évangiles, demandez, vous recevrez, hein, Jésus nous a dit. C'est pas ça, non? Parce que quelquefois, on dit, ah, vous vous rendez compte, Dieu demande à seulement ce qu'il veut. Je ne sais pas, mais dans l'évangile, lorsque Jésus demandait ce que vous voulez, je vous donnerai, pour moi, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Ah, parce que nous, on envie toujours les autres. Mais on ne pense pas que pour nous aussi, les promesses sont pour nous. Donc Salomon demande à Dieu, donc il prie, afin de recevoir, non pas, je ne sais pas, mais. Je peux me mettre à la place de Salomon, mais peut-être eu tendance à demander ce qu'il n'a pas demandé, c'est-à-dire la richesse et gloire, tout ce que vous voulez, non? Mais non, Salomon, il est déjà sage, jeune qu'il était, il va demander et il va prier afin de recevoir le discernement et un cœur intelligent pour faire ce qui était bon, droit, agréable aux yeux de Dieu, selon Dieu. C'était la priorité des priorités, discerner le bien du mal, les bons projets des mauvais projets. Et vous savez, quand le chrétien désire comme Salomon de faire ce qui plaît à Dieu, ce qui est bon aux yeux de Dieu, ce qui est agréable à Dieu, Dieu s'occupe de sa vie en général. Lorsque Dieu dit « toi une longue vie », ça veut dire que c'est la santé. Une longue vie, en général, ce sont ceux qui vivent longtemps. Enfin, quelquefois, on peut être malade toute sa vie, hein, mais en général, moi, quand je lis ça dans ce sens-là, longue vie, c'est que Dieu accorde la santé. Quand on parle de richesse, moi, je ne vois pas uniquement la richesse, l'argent, mais une réussite dans la vie. Hein, donc, réussite dans la vie, et donc, vous savez, Dieu va utiliser tous les moyens qu'on ne penserait même pas pour nous donner de la réussite. J'aime bien ce verset du livre d'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 26. Ecclésiaste, chapitre 2, verset 26.
d'après Psaume, Proverbe. Avant le cantique des cantiques, là, le psaume, proverbe, et puis tu vas être juste à côté après. Enfin, je vous le lis. Hein. Voilà. Car Dieu donne à l'homme ce qui lui est agréable, la sagesse, la science et la joie. Ça, c'est formidable. Mais voilà, le verset continue et c'est ça qui me fait sourire. Mais Dieu donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Vous avez compris la chose, vous? Je relis, hein, je relis juste cette partie de verset. Dommage qu'il n'arrive pas à trouver l'Ecclésia. C'est Psaume, Proverbe. Ecclésia, chapitre 2, verset 26. Voilà, car il donne à l'homme... Dieu donne à l'homme ce qui lui est agréable, la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de le donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est-à-dire que le pécheur, il va travailler, il va... Et puis en fin de compte, bah, il va donner à un moment donné qu'il va le donner volontairement ou involontairement à celui qui est agréable à Dieu. Amen. Je vous ai donné ce témoignage de la maison qu'on a achetée en arrivant à Bourges. La première, donc, parce qu'il fallait bien qu'on se loge, hein, arriver à Bourges. Donc, comme j'avais une maison avant d'entrer dans le ministère, j'avais vendu, j'avais bloqué l'argent parce que ils disent, ça sert toujours, et la preuve. Donc, lorsque j'étais chimiste, et donc, bon, il a fallu qu'on cherche une maison. Donc, j'ai cherché, et puis pas très loin de l'église, etc. Et puis la première fois que j'avais vu l'annonce de cette maison, c'était 190 000 euros. Je dis, Seigneur, c'est trop cher pour moi. Et en plus, cher, je dis d'une manière assez enfin, désagréable aux yeux de Dieu, si on peut dire. Enfin, je dis, c'est-à-dire, tu vois, si j'avais gardé la maison, avec la valeur que ça aurait pris, parce que ce n'est pas les 2-3% de l'intérêt que l'argent j'ai mis, mais si j'avais gardé, j'aurais pu l'acheter. C'est comme un reproche. Hein. C'est comme ça, vous voyez, on n'est jamais content. Enfin bon, on a pas donc... Et ça passe, et puis on cherche d'autres, je regarde la même annonce, à un moment donné, je vois 190, ça passe à 180. Après, ça passe à 175, c'est encore trop cher. Puis je vois, c'est pas à 169, et 169 000, je dis, Seigneur, ben là, ça commence à devenir bon. Je vais téléphoner quand même pour visiter la maison, parce que j'avais vu juste l'image dans un journal gratuit. Et puis je téléphone, je dis voilà, je voulais le numéro de telle annonce de maison. Voilà. Il dit, ah, la maison à 168, ils avaient baissé 1000 euros déjà entre. Quand j'appelle, je vois et j'appelle. Donc on prend rendez-vous, donc on voit avec à la chapelle, donc rendez-vous avec l'agent immobilier, on visite la maison, mais je dis c'est bien. Hein. C'est bien, le terrain nous convient, la maison aussi, donc il y a tout ce qu'il faut. Et puis je dis, bon, dans ma tête, je dis bon, 168, on va peut-être négocier jusqu'à 165 000 euros. Il dit, est-ce qu'on peut négocier? Et puis là, l'agent immobilier me dit, écoutez, faites une proposition de prix à 157 000 euros. Elle va accepter parce que ça fait un an qu'elle cherche à vendre, enfin un an qu'elle est mise en vente, mais comme après, on y va, on ne vend pas en général, donc faites, ça va passer. On l'a fait, on l'a bien acheté 157 000 euros. Donc, vous voyez, donc, il m'expliquait, il me dit, quand la femme a voulu, c'était une psychiatre, qui était l'ancien propriétaire de la maison, il dit, ça faisait 3 ans qu'elle avait acheté la maison, elle m'a laissé les factures, j'ai vu, il y avait pour 25 000 euros de clim, de parquet, de portail électrique, de volet électrique, enfin, elle avait toutes sortes de travaux, il y a pour 25 000 euros pendant les 3 ans. Elle a fait tout ça, et puis pour vendre, je ne sais pas si elle était mutée ou je ne sais pas, enfin, elle était partie dans le midi, donc pour nous laisser pour ce prix-là. Le méchant, je ne parle que là, donc le pécheur amasse, travaille pour donner à ceux qui est agréable à Dieu. Ouais. Ouais, donc oui, tu es capable. Nous, on ne sait pas, mais quand on est agréable à Dieu, on va faire sa volonté. Dieu fait ce qu'il fait. Amen.
Donc la réussite, donc je parle de réussite. Donc la mort des ennemis pour moi, lorsque Dieu a dit, bon, hein, donc tu n'as pas demandé la mort des ennemis, c'est la victoire, délivrance, secours, pas la prière. Hein, Dieu nous aide à, quand on fait ce qui plaît à Dieu, Dieu nous aide vraiment à être victorieux. Et donc, vous voyez, donc, toutes ces choses-là nous amènent à prier. Donc c'est la prière qui nous amène à faire ce qui est bon, ce qui est droit, ce qui convient aux yeux de Dieu. Et puis après, nous, parce qu'après on dit, mais tu as raison, tu as raison de tout faire, parce que maintenant on sait qu'on est dans le plan de Dieu. Par la prière, Dieu m'aide à ne pas faire ce qui me plaît, à ce qui me semble bon, moi personnellement, mais pour ce qui plaît à Dieu. Et la parole de Dieu nous révèle quand même ce qui est bon, agréable et ce qui plaît à Dieu. Mais quelquefois, soit nous ne tenons pas compte, ou alors nous ne savons pas. Mais vous allez dire que je redis toujours les mêmes choses, mais ce sont pour moi les paroles essentielles. Le psaume 133, verset 1er, on va le décortiquer juste quelques instants. Il est dit, psaume 133, ah donc je dis bien, la parole de Dieu nous révèle ce qui est bon, agréable et ce qui plaît à Dieu. Verset 1er. Voici, ô, qui est agréable, qui est doux pour des frères de demeurer ensemble. Venir dans la maison de Dieu est agréable pour les frères et les sœurs. Mais cela est agréable aussi aux yeux de Dieu. Puisqu'il a dit que c'est là qu'il envoie sa bénédiction. Si ça n'était pas agréable aux yeux de Dieu, il n'enverrait pas sa bénédiction. Et donc, vous voyez, donc, ce sont des versets, des paroles de la parole essentielles. Mais quelquefois, on néglige, on ne croit pas. Et moi, je crois que en venant, en me faisant tout ce qu'il faut pour venir à la maison de Dieu, Dieu est capable d'envoyer sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Moi, je vais vous dire un secret. Donc, ma vie en tant que jeune à l'époque tournait autour de l'église, des réunions. Alors, bien sûr, mes amis disent, mais t'es fou, Dieu, attends, tu vas pas aller. Bon, que t'ailles le dimanche matin seulement. Mais même parmi les chrétiens, mais les jeunes chrétiens amis que j'avais, ils disent, mais que tu conviennes le dimanche. Mais tu pars aussi le mercredi, mais le mercredi, on a foot, il y a club de foot, il y a entraînement. Je ne faisais pas comme les réunions, ces réunions du mercredi, avant le football. Et puis tu pars aussi à la réunion le vendredi soir. Ah oui, mais en faisant passer tout ça, quand je regarde ma vie maintenant et la vie de leur vie à eux, ben, je dis, ben, le Seigneur m'a donné une certaine réussite quand même. Il y a une certaine bénédiction, le fait de venir dans la maison de Dieu. Et il y a des pièges comme cela, je vous dis, hein, lorsque pour passer mes examens, on m'a proposé de prendre des cours de chimie, de physique, de chimie, etc. Tant que ça ne gênait pas, moi, la vie de l'Église, je l'ai fait, mais une fois que ça commençait à gêner, sinon j'arrête. Mais n'empêche que le Seigneur a mis sa main pour que je continue à progresser dans la société. Ça, vous voyez, donc, c'est voici où qui est agréable, qui est doux pour des frères de demeurer ensemble. Eh bien, c'est là qu'il envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est simple comme parole, mais moi je prends par la foi, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, puis je le dis toujours, c'est pas moi qui l'écris. C'est Dieu qui l'écrit, donc pour moi, c'est de la responsabilité de Dieu, j'applique la parole. On peut aussi lire dans le psaume 69, verset 31. Je célèbre le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau, avec des cornes et des sabots. Amen. Chanter et louer Dieu est agréable à Dieu. Cela vaut plus que tout ce que vous voulez, bien sûr. Seigneur, je fais les instrumentaires, réunion de semaine, tout ce que vous voulez. Bien sûr, vous allez le dire. Mais le fait de venir est plus agréable pour le Seigneur. Plus agréable hein, que le sacrifice des taureaux, d'un taureau, tout ce que vous voulez. Vous voyez, pour moi, c'est évident. Enfin, peut-être que vous allez dire que j'exagère, mais pour moi, c'est ça. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, bien sûr, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Ah, le corps. Et cependant, c'est agréable à Dieu. Et nous, quelquefois, c'est agréable à nous quand on fait ce qu'on veut. Hein, on va regarder s'il ne faut pas, on va écouter ce qu'il ne faut pas, on va faire. Et voilà, c'est agréable pour nous, mais pour nous, ça paraît bien, mais aux yeux de Dieu.
Et là, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien sûr, nous sommes confrontés, je suis conscient de beaucoup de convoitises, d'attraits de ce monde, etc. C'est pas facile, surtout lorsqu'on est jeune. Hein? Donc, mais lorsqu'on offre nos corps, notre bouche, nos oreilles, nos yeux, nos jambes au Seigneur, cela est agréable. Et non seulement c'est agréable, mais la présence de Dieu nous suit, est avec nous. Et vous rentrez dans des bénédictions inimaginables. Je me souviens de ce témoignage que j'ai lu dans le livre, dans un livre, un missionnaire de Chine, je ne me souviens plus son nom, un missionnaire chinois, enfin, il disait que quelqu'un s'était converti, un homme chinois s'était converti il n'y a pas longtemps, mais il avait compris une chose, c'est que le fait de se convertir, il ne s'appartenait plus lui-même. Et puis, alors qu'il voyageait dans le train, il rencontre des compagnons, et il jouait des cartes pour de l'argent. Donc il manquait quelqu'un justement pour faire l'équipe. Il lui propose, il dit, viens jouer avec nous, hein. Ça, c'est pas cher, c'est juste quelques euros. Dit. Et puis dans son esprit, le Saint-Esprit lui dit, mais tu n'oublies pas que tu appartiens à Dieu. Alors il répond aussitôt à ses copains, il dit, mais non, je voudrais bien moi, mais mes mains ne m'appartiennent plus. Je ne peux pas jouer. Et quelquefois, on pense qu'on devrait réagir un peu comme ça. Hein, devant les sollicitations du monde, je veux bien, moi je veux bien, mais mes mains ne m'appartiennent plus, mes yeux ne m'appartiennent plus, etc. Bon, c'est risible, mais quelque part il avait fait cette expérience, vous voyez, il n'a pas été à l'école biblique, mais Saint-Esprit, il a parlé à son cœur. Amen. Donc, offrir nos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1er. Qui est encore bon et agréable aux yeux de Dieu. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1er. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Lorsque nous prions pour notre pays, pour nos autorités, même si on n'est pas du même bord politique, cela est agréable à Dieu. J'y avais pensé à ça. Ah oui. Et tu vois, toutes ces choses-là, ce sont dans la parole de Dieu. La vie du chrétien, mes frères et mes sœurs, ne lui appartient pas, ne leur appartient plus. Et je le dis, moi, à ceux que je baptise, mais il y a un avant et après, maintenant nous appartenons au Seigneur, il faut bien réfléchir à la chose. C'est un contrat. C'est un contrat qu'on signe avec le Seigneur. C'est une décharge qu'on donne au Seigneur sur sa vie. On dit oui, oui, tout de suite, mais c'est après, au fur et à mesure, on est repris par... Mais la vie du chrétien, ses décisions, ses faits, ses projets doivent se mettre en œuvre dans la présence du Seigneur. Il ne faut pas décider comme ça, du jour au lendemain, tiens, j'ai envie de faire ça. J'ai vu tellement de difficultés avec les décisions charnelles et humaines de la part des chrétiens. En faisant, vous savez, c'est plus facile de... Moi, je dis toujours, avant de vous dire que je suis un peu spécial, mais je préfère rater une bonne chose, enfin une bonne affaire, que d'en faire une mauvaise. Parce qu'une bonne affaire, on a toujours à retrouver, mais une mauvaise, quand on est pris dedans... C'est compliqué. Donc, vous voyez, la vie du chrétien, on doit être autrement. On a passé le Jourdain, mes frères et mes sœurs. Nous avons signé un acte spirituel avec le Seigneur. Donc, recherchons à tout ce qui est agréable à Dieu avant toute chose pour notre vie. Et vous croyez que Dieu va vous faire souffrir? Que les projets de Dieu sont en souffrance? Non. Dans Ésaïe, il est dit que les projets de Dieu sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Ah, peut-être que moi, ça ne s'adapte pas. Enfin, nous, on pense que ça ne s'adapte pas à nos vies. Mais jusqu'ici, j'ai vu que tous les projets dans lesquels Dieu m'a fait entrer, peut-être le jour J, je n'ai pas trop aimé. Mais c'est après coup, j'ai dit, Seigneur, tu as eu raison. Tu as eu raison parce que maintenant, je vois l'ancien projet, maintenant où je suis. C'est vraiment ta grâce et vraiment, tu as eu raison. On lit un dernier passage, acte 15, 28. Acte 15, 28. J'aimerais que nous vivions tout cela.
car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Donc j'arrête là de verser, et après on peut. Mais vous savez, lorsque dans notre vie on dit il a été bon par le Saint-Esprit et à nous, c'est que nous sommes dans le bon. Nous sommes dans le vrai et nous sommes dans la bénédiction du Seigneur. Parce que quand vous dites, ça nous paraît être bon, ça nous paraît être bien, peut-être, mais Dieu est ce qu'il pense. Parce que là, il a paru bon au Saint-Esprit. C'est ça, c'est en premier, ça paraît bon au Saint-Esprit, à ce moment-là, ça ne peut être que bon pour nous. Voyez-vous la différence? Quelquefois, on dit, ça nous paraît bon, alors donc on impose nos projets au Seigneur. Seigneur, tu vois, cet homme ou cette jeune fille-là, ça me paraît bien que je me marie, ça me paraît bien, ça me paraît. Oui, mais est-ce que ça paraît bien pour le Saint-Esprit? Et ça, c'est le danger des choses. Quelquefois, on dit, hein, et moi, je ne vous juge pas, hein, parce que moi aussi, je suis passé par là, je passe encore par là, jusqu'à la fin de notre vie, on aura des décisions à prendre, même pour la retraite. Seigneur, où, quoi, comment? Moi, j'aimerais, mais est-ce que c'est ton plan? Hein, Jean-Pierre, tu sais, hein, Quentin, est-ce que c'est ton plan? Est-ce que je vois, je voudrais bien, mais est-ce que je voudrais déménager, mais est-ce que... Mais quand on dit, il a paru bon Saint-Esprit à nous, alors nous sommes dans le vrai et nous sommes dans la bénédiction du Seigneur. Que son nom soit béni, mes frères et mes sœurs. Nous avons un roi, nous avons un Seigneur. C'est lui qui connaît mieux que nous-mêmes ce qu'il nous faut, ce qui est bon, ce qui convient, hein, pour notre existence. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, nous voulons encore te louer, te bénir ce matin, te rendre grâce, te célébrer, t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, parce que tu es parfait jusqu'à l'infini, et nous voulons, Seigneur, ce matin encore nous soumettre à toi. Seigneur, nous ne voulons pas aller jusque-là, mais Job disait, j'ai fait plier ma vie, ma volonté, aux paroles de ta bouche. En réalité, il avait raison. Parce que Seigneur, tu as toujours raison, toi. Alors ce matin, je te prie que nous soyons comme Salomon, avec ce désir, c'est de faire de discerner le bien du mal et de faire ta volonté. Seigneur, aide-nous. Seigneur, et vraiment, donne-nous d'avoir les yeux fixés sur toi et de comprendre, de savoir, de réaliser que tu es notre roi, que tu es notre Seigneur. Bénis les jeunes, Seigneur, qui arrivent dans la vie. Et, Seigneur, bénis les plus âgés qui arrivent en retraite. Et bénis ceux qui sont encore plus âgés encore, Seigneur. Seigneur, si toi, tu vois, Seigneur, jusqu'à la fin de notre vie, nous avons des projets. C'est comme cela. Alors nous voulons vraiment dépendre de toi. Bénis ton Église, Seigneur, tu connais les projets que nous faisons aussi pour ton Église. Et nous voulons aussi que ces projets soient sanctifiés. Seigneur, soient consacrés pour toi. Nos désirs, Seigneur, même si ce sont des bons désirs, mais Seigneur, c'est ton désir qui compte. Alors Seigneur, sois béni encore ce matin et manifeste-toi dans notre vie. Amen. Amen. Rien que le sang de Jésus.
Des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen. 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 Voilà, c'est notre frère André Jean, dont le Seigneur sa bénédiction sur les éléments de la scène. Seigneur, nous sommes là ce matin, c'est un effet de ta grâce. Tu nous as demandé de prendre conscience de ce que nous décidons, de ce que nous choisissons. Nous voulons supplier le Saint-Esprit de nous donner cette sagesse nécessaire. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce sacrifice que tu as consenti à la croix. Que chaque jour que nous puissions réaliser davantage la portée de ton sacrifice, ce que tu nous évites, Seigneur, dans l'éternité comme souffrance. Et par contre, toutes les bénédictions que nous avons jour après jour, que nous puissions les réaliser aussi, Seigneur. Que le jour, du moment où nous ouvrons les yeux sur cette journée, nous puissions réaliser que c'est encore là une grâce de ta part. Et que ce n'est pas notre seule volonté parce que nous avons mis un réveil à sonner. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin du secours du Saint-Esprit pour comprendre qui tu es, ce que tu es. Comprendre ton amour, comprendre, Seigneur, la portée de ce que tu attends de nous. Que nous puissions vraiment ce matin aller plus loin avec toi, Seigneur, dans l'obéissance, dans la consécration, dans la sanctification, pour que tu sois glorifié et que le Père soit vraiment glorifié dans le nom de Jésus. Nous te bénissons pour ces saints emblèmes, Seigneur, et nous te prions vraiment de les sanctifier pour que nous puissions vraiment marcher dans la communion avec ton amour, avec ta majesté. Amen. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Voilà, mes frères et mes sœurs, nous nous levons pour participer au pain et au vin. Je prononce ça comme de bénédiction. Et bien sûr, pour ceux qui sont baptisés par immersion, qui ont choisi Jésus comme leur sauveur, leur Seigneur, bénissons-le, adorons-le de tout notre cœur. Ce matin, je veux louer ton merveilleux nom. Mon Dieu, je veux proclamer que tu es maître et seigneur. Tu es maître et seigneur de nos vies, de nos cœurs. Seigneur, ce matin, je ne veux pas m'enfermer dans mes peines, dans ma douleur, dans mon chagrin.
dans mes manquements, mais je vais louer le roi des rois, parce qu'il a tout accompli. Parce que ma vie, il l'a prise et il a accompli ce que je ne pouvais pas faire. Je loue mon Seigneur parce qu'il est mon ami, mon berger, mon ami fidèle, mon tendre ami. Et je veux le louer parce qu'il a tout accompli. Parce qu'en lui, je suis assis à la droite de Dieu. Et tout ce que sa parole a dit, tout ce que sa bouche dit, il nous l'accorde parce qu'il est auprès de Dieu. Seigneur, tu es mon avocat. Tu es mon bien le plus précieux. Et je te loue parce que tu m'as donné cela gratuitement. Tu as accordé ta vie pour que je puisse vivre et je vive d'éternité en éternité avec toi. Amen. Je te bénis, mon Dieu. Merci pour ton sang précieux. Tu as merci à la sainte. Merci, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu nous as encore donné ta grâce, ton amour nous a fait comprendre ta parole. Tu nous as laissé ta parole. Tu nous as laissé toutes choses pour que nous puissions continuer le chemin. Merci Seigneur, parce que tu nous frappes jusqu'au bout. Tu nous frappes jusqu'au bout. Si tu veux nous aider, je te remercie de tout mon cœur, de tout mon cœur. Voilà, tu m'amènes à ta vie, dans la tienne, Seigneur. D'être toujours près de toi, par ta parole, avec ta parole, Seigneur. Merci pour ce matin encore, pour ce truc merveilleux que nous avons ici. Merci pour tout ce que tu nous as encore offert. Tu es merveilleux, Seigneur. Le plus beau, le plus grand, le plus aimé de tous que j'aime, celui que j'aime. Tu es mon ami, mon frère. Tu es tout, Seigneur. Je te dis merci. Merci. Amen, gloire à Dieu. On va passer aux offrandes, frères et sœurs, c'est nos frères Samuel et Jacques qui vont passer dans les rangs pendant le temps de ce cantique. Encore une reconnaissance pour notre Dieu. Amen, parce que son amour dure à jamais. Amen. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour.
Je te remercie, Seigneur, parce que tu es là tous les matins, Seigneur, tous les soirs, tu nous accompagnes, Seigneur. Tu es là, tu es avec nous pour ce commencement, Seigneur. Alors, Seigneur, je te remercie pour ces dons et pour cette grâce que tu nous accompagnes, Seigneur. Je te remercie. Amen, Seigneur. Amen. Voilà donc le culte touche à sa fin. Quelques annonces avant de terminer par un dernier cantique. Donc voyez-vous, donc dimanche prochain, nous serons déjà le 1er août. La moitié des vacances est déjà partie. Donc, mais malgré les vacances, nous gardons le programme de toutes nos réunions. Donc dans les annexes comme à Bourges. Donc mardi, je rappelle, la réunion de prière à 18h30 à Saint-Amand. À Vierzon, la réunion de prière à 18h30 aussi à Vierzon. Et vendredi à Bourges, toujours 18h30. Dimanche prochain, il y aura les trois cultes à Vierzon 10h, à Bourges 10h et à Saint-Amand 9h30. Donc soyez les bienvenus donc, pour se réjouir avec nous et pour louer ce Dieu si grand, si bon et si parfait. Donc j'ai rien d'autre. Donc si ce n'est qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour les médicaments. Donc si vous les avez apportés, c'est bien. Sinon, ça va être trop tard après. Voilà, donc Dieu vous bénisse et nous chantons le dernier cantique dans la joie et dans l'allégresse. Alléluia. Amen. Dans la joie, et on va se lever ensemble et on va Christ est ma joie interpréter ce chant. Christ est ma joie. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, vous qui nous regardez, et à très vite.